ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وامامنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Euh, Alhamdulillah, aujourd'hui, effectivement, on va continuer à aborder le sujet de l'estiqamah, de la droiture sur, euh, sur le chemin, pardon, la droiture et le fait de se maintenir sur le chemin droit, euh, l'unique, celui qu'Allah nous a prescrit. On a cité, on a abordé l'importance d'être sur le chemin droit, euh, effectivement, et, cette, et ce concept-là est un concept global, essentiel dans notre, dans notre religion. Qui englobe tout le bien et toute la vérité. Et je suis en compagnie de Shirk, Allah le récompense par le meilleur, encore pour pouvoir parler d'un sujet important qui, qui a trait, effectivement, à, au sujet de la droiture, c'est celui du juste milieu. Effectivement, de cet équilibre entre les deux excès, entre ces deux extrêmes, que ce soit le laxisme ou l'excès, le, ou, ou effectivement, ou le, ou le zèle, on va dire. Et c'est vraiment très important dans, le, dans ce chemin, effectivement, dans la démarche de chaque musulmans d'être euh, effectivement de rechercher cet équilibre et d'être sur ce chemin effectivement du juste milieu, qui n'est pas un milieu, c'est le milieu entre deux excès, effectivement entre deux choses qui ne sont pas souhaitables, qu'Allah subhanahu qu wa ta'ala et son prophète, nous enjoint de nous détacher, de nous éloigner de ces chemins tortueux, euh, ceux de l'excès. Et, euh, et du laxisme. Kabarakallahu Fikh de nous avoir effectivement accordé du temps pour pouvoir en parler. Je te laisse, oui. commencer à ce sujet-là qui, qui est le sujet euh, principal de, cette, de ce live. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa sallam wa rahmatullah. Kabarakallahu Fikh, Sri Mohammed, ainsi qu'à tous nos fidèles euh, euh, abonnés ou intéressés, en tout cas musulmans ou non musulmans, ce qui nous réjouit d'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, il nous a déjà guidé vers le droit chemin comme tout un chacun et il ne guide sur le droit chemin que ceux qui manifestent donc cette envie, cette humilité, ce besoin et donc cela se recrute parmi les gens qui font la prière puisque comme on le sait 17 fois par jour on demande à Allah la chose la plus précieuse dans cette vie qui est le fait d'être maintenu sur le droit chemin. Donc effectivement on a échangé sur différentes règles et euh, ce qu'il faudrait peut-être euh, souligner, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement définit le droit chemin en disant que c'est le chemin des anciens, les gens qu'il a appris, qu'il a guidés et qui sont morts sur l'islam, sur ce droit chemin, mais il nous met en garde contre, dans la même surat, une, il nous met en garde contre deux extrêmes. Qu'il aurait pu dire, donc le chemin de ceux que tu as guidés, qui sont-ils on sait le prophète alayhi wa sallam, les prophètes les gens véridiques comme euh, les martyrs témoins et également donc les gens qui font le bien c'est Allah le dit dans la sourate 4 verset 69 mais Allah nous met en garde contre deux attitudes l'attitude qui amène à euh, négliger la pratique donc ça c'est déjà une attitude que Allah donc au contraire des gens qui ont obéi à Allah et à son messager Et des gens qui négligent, ne donnent pas de l'importance à ce à quoi Allah a donné l'importance Si Allah nous demande de rester sur le droit chemin après nous avoir guidé C'est bien parce que ceci est indispensable pour la vie Et comme on le dit souvent Allah n'a rien ordonné qui ne soit pas indispensable à notre vie Il n'a rien interdit que des choses qui sont toxiques pour notre vie et qui nous amène vers la perdition. Donc pour nous l'éviter, il nous trace un droit chemin qui est, comme l'a dit le professeur Sallam, droit, clair, de jour comme de nuit, et il nous met en garde. Et notre Seigneur est généreux. Non seulement il nous trace le chemin, il nous aide, à, il nous assiste plutôt sur ce chemin, mais en même temps, il nous met en garde contre deux déviations possibles, comme tu l'as défini, soit le laxisme, soit le rigourisme, entre guillemets, mmh. si on peut l'appeler ainsi. Il ne s'agit pas d'être, bien sûr, rigoureux. Mais le rigorisme, c'est plutôt une tendance à s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Donc il dit, ⁇ Donc il y a deux extrêmes. L'extrême qui est donc le fait de, de savoir, Allah nous a avertis par miséricorde, il n'a aucun besoin. Et malgré cela, ⁇...⁇ cest qui ont encouru colère, c'est bien connu, c'est bien entendu les gens du livre euh, avant nous qui n'ont pas suivi ce qui leur a été euh, révélé. Parmi eux, bien entendu. Et il y a également, Baalin, c'est ceux qui suivent un chemin, donc qui n'est pas le droit chemin, et qui ne sont pas référés ou qui ont dévié donc, de ce chemin, qui ont suivi un, un, un sentier qui n'est pas donc celui que Allah aimait. Donc, il disait souvent que les maladies du cœur, ça vient de là, hein, c'est soit des maladies de la, de la passion, des désirs, donc, le fait de suivre ce que je veux, je fais ce que je veux, comme on en a aujourd'hui beaucoup dans la communauté. Euh, oui, moi je suis croyant, mais moi je suis croyant, mais. Donc, quand on est croyant, les croyants sont simplement comme Allah le définit. Euh, si, précisément dans la surah 49 en particulier, les croyants sont seulement quand les bédouins. Euh, Parmi eux, des croyants, parmi eux, des non-croyants. Quand les bédouins ont prétendu croire en Allah, devenu des croyants, le prophète sallallahu sallam, Allah lui parle en disant Dis-leur, non, vous n'êtes pas croyants. dites plutôt que vous êtes soumis. Donc on est beaucoup de soumis et probablement beaucoup moins de croyants. Les croyants sont seulement, dit Allah, subhanahu wa ta'ala, donc dans cette surah euh, 49, sont seulement ceux qui croient en Allah et au messager. Ensuite, ils n'ont pas douté. Donc c'est la certitude qu'ils ont que c'est que Allah à révéler c'est bien ça la vérité ils ne cherchent pas leur passion ne cherchent pas des excuses ils ne se voilent pas la face par rapport à leurs propres erreurs ils ne se mentent pas ils ne mentent pas aux autres donc ils sont droits justement c'est comme le dit certains savants c'est être sur le chemin droit c'est ne pas euh, tricher Mm -hmm. Tricher avec soi-même, tricher avec les autres, c'est vraiment être sincère avec soi-même. Auquel cas, il y a une chance pour continuer sur le chemin droit. Donc, Marboub et Alehim, -hmm. disent euh, les savants, notamment Ibn euh, miséricord qui résume la position des savants sur la question, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont mérité la colère d'Allah, qui savent que Allah a guidé et qui, en même temps, ont refusé de la guider quelque part. Le, ils savent, c'est pas même par ignorance. Et dans c'est ceux qui ne savent pas et qui agissent. Donc voilà deux positions qui sont que l'on retrouve dans la communauté du Prophète sallallahu alayhi qui qu n'est qu meilleure que parce que elle. Euh Suit le droit chemin, une fois qu'elle dévie et devient comme d'autres, comme nous l'a bien précisé le Prophète, notamment quand il, a parti, quand il a parlé des différentes parties 71 parmi la, les Juifs, 72 parmi les Chrétiens, 73 dans sa propre communauté, et tout en enfer, sauf une, celle qui a suivi Moussa, celle qui a suivi Jésus et celle qui a suivi Mohammed. Sal Donc, c'est la déviation et la caractéristique même de l'homme c'est comme un enfant qui a des jouets, on lui donne parfaitement fait. Et Allah ne s'amuse pas, bien sûr, parfaitement fait. Une religion parfaite n'en dévie, comme l'a dit le prophète, que vraiment la personne qui est complètement perdue ou euh, euh, quelqu'un qui est voué à la perdition. Et donc, ce droit chemin, c'est de rester droit et ne pas aller d'un côté ou de l'autre, tant d'un point de vue dogme, conception, mmh. que d'un point de vue adoration, que d'un point de vue jugement. De tous ces trois points de vue, on voit des déviations et, comme le disait mieux que moi, Satan, peu importe. Comme il fait tomber le fils d'Adam. Il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Que tu sois extrémiste de gauche ou de droite, que tu sois laxiste ou que tu sois rigoriste, peu importe. Donc, euh, l'exemple peut-être, enfin, dans, dans, si on veut commencer, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on commence mmh. par, euh, par le concept mmh. même de, de, de la révélation, c'est de se retrouver avec euh, un Dieu que l'on invente. Voilà. Les prophètes, alayhi salam, tous, ont été envoyés. La première mission d'Ibn Qayyim, c'est de faire connaître Allah. Comment on peut connaître Allah sans la révélation C'est impossible. Alors, on va avoir des gens qui vont dire Oui, moi j'aime Allah. J'aime Allah, donc il doit avoir un fils. J'aime Allah, j'aime son fils. J'aime Allah, donc il doit, et certainement, euh, il aime. Donc, il ne va pas châtier. J'aime Allah, comment tu peux le savoir si ce n'est par des passions Et parmi la communauté, c'est ce qui nous intéresse, musulmane, il y a des gens également qui prétendent aimer Allah. Et ils se font un, un Dieu à leur propre mesure. Ils se font un Dieu à leur propre mesure. Non, dieu est amour, certainement. Contrairement à ce qu'ils peuvent penser, Dieu est amour, certainement. Mais Dieu n'est pas celui que toi tu veux imaginer. Allah, il est celui qui, à qui rien ne ressemble, qui n'a besoin de rien, dont tout a besoin. Par conséquent, il n'y a pas, comme on l'a souvent dit, entre Allah et ses créatures que, le fait, que la révélation que tu acceptes en entier ou pas. Il n'y a pas, bon, ben, cette partie j'y crois, cette autre partie je n'y crois pas. Ma raison me dit que non, Dieu ne peut quand même pas châtier les gens. Pourquoi Ta raison te le dit C'est ton Satan qui te le dit Donc ils ont inventé sur le compte d'Allah des choses euh, qui sont fausses. La, on ne peut connaître Allah que par la révélation. Celui qui prétend connaître Allah par autre chose, forcément, il fait intervenir sa raison. Celui qui fait intervenir sa raison, nécessairement, est quelqu'un qui est égaré. Parce que Dieu ne lui a pas révélé. C'est une révélation, elle est satanique. Et donc, on se base sur la révélation. Allah a dit, son messager a dit. Et à partir de ce moment-là, Allah, il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, donc, qui sont parfaits. Donc, on croit en son unicité. C'est ce pourquoi il a envoyé tous les prophètes, sans exception, comme il Donc, dans son livre. Tous les prophètes ont été envoyés pour affirmer que adorer Allah et fuyer les fausses divinités. Tous les prophètes. Donc, on ne peut pas rester sur le concept de divinité ou de croyance en pensant que c'est Allah qui a tout créé comme les Arabes le disaient c'était pourtant polythéiste donc la base c'est vraiment le monothéisme c'est le tawhid qui n'est pas théorique mais qui est pratique c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul digne d'adoration parce qu'il est le seul parfait et de ce concept on ne va pas aller chercher oui mais commencer à philosopher. Comment se fait-il que euh, si c'est Allah qui crée le mal, euh, comment se fait-il qu'il y ait le mal, Et si il doit avoir un autre créateur de mal, Allah ne fait que le bien en voulant le défendre, lui qui n'a besoin de rien. Donc tout ceci, c'est la raison qui amène la philosophie au travers de ce que Satan leur inspire. Donc c'est suivre quelque part ses passions. Et là, ce sont des choses qui sont complètement en dehors de la révélation. Elle est la même que Allah a révélée à ses différents prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, qu'Allah les bénisse tous sur le même chemin. Allah s'est défini et donc on ne va pas trouver les divergences dans les livres qu'Allah a révélés et en tout cas a dans les parties dont il a conservé. Donc ça c'est vraiment dans le dogme. Mm -hmm. On ne va pas non plus parce que d'autres disent qu'Allah a un fils loin de lui ce qu'on lui associe. On ne va pas penser non plus que Mohamed, que Dieu le bénisse, soit une demi-divinité. On entend parfois les gens dire, mais vous, vous adorez Mohamed. Non, certainement pas. On peut avoir entendre des choses comme quoi Mohamed a été créé de lumière. Mm. L'homme, le prophète lui-même disait que Allah a créé les anges de lumière, les djinns, donc les esprits de feu, et vous, de ce que vous savez. C'est un fils d'Adam. Certains vont jusqu'à dire que Mohamed, que Dieu le bénisse, le meilleur des hommes que la terre a porté. Et celui qui ne croit pas en lui, après son envoi, est voué à l'enfer, a dit le professeur Sam lui-même, ils vont dire que Mohammed a été créé avant Adam. Voilà, ils vont arriver, ils arrivent jusque-là. Mmh. Pourquoi Parce que de, il faut passer par Mohammed pour atteindre Allah. Il est le premier, il sera certainement le premier également à démentir ce que les gens disent de lui. Ou alors dire qu'il a Il faut passer par Mohammed pour atteindre Allah. Mohammed, il reste, comme il a dit, allez, n'exagérez pas. N'exagérez pas, comme les chrétiens ont exagéré avec mmh. Jésus-Fils de Marie, je ne suis qu'un messager et esclave au serviteur d'Allah. Donc il connaît sa place. Il ne veut pas qu'on exagère. Celui qui atteste que Mohammed, Messager d'Allah, nécessairement reste dans la droite lignée de tous les prophètes sans exception. On n'a pas à donner à Mohammed ce que Dieu lui n'a pas donné. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il a créé, bien qu'il soit le meilleur des hommes. Il est hors de question d'avoir de, un concept, euh, l'aimer au point de l'adorer quelque part. C'est ce qui arrive à d'autres il n'acceptera pas ça et Dieu ne l'accepte pas donc il reste à sa place bien qu'il soit le meilleur des hommes, celui que Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers celui qui s'il n'est pas suivi conduit nécessairement à l'enfer celui que Dieu a aimé plus que tout un chacun, donc ça c'est déjà d'un point de vue concept, ce qu'il dit on sait qu'il est véridique et il le tient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais menti avant la prophétie et encore moins après la prophétie, voilà. donc ça ce sont des concepts, bien qu'on l'aime on doit l'aimer plus que nous-mêmes celui qui n'a pas, pas atteint ce stade n'a pas atteint le stade de la foi. Mais néanmoins, on ne va pas le diviniser et que les musulmans qui pensent passer, malheureusement, beaucoup de gens ont hérité ça. Si Allah et son messager veulent, on entend souvent ça. Alors qu'il est le premier, quand on lui dit même euh, ce que Allah et toi veulent, il dit, est-ce que vous voulez m'associer à Allah Et aujourd'hui, quand tu dis ça, quand, bon, dans beaucoup de pays, à majorité musulmane, ils vont te dire que tu n'aimes pas le professeur. Alors que jamais, il était le premier à défendre cette notion extrêmement rigoureuse, cette notion extrêmement fondamentale de l'islam. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut euh, expliciter, qu'il faut, euh, qu faut répéter pour que chacun d'entre nous meure avec euh, une conception correcte d'Allah. Donc on a mmh. des extrémistes qui vont dire, non, Mohammed c'est un homme comme un autre. Bien mmh. sûr, ceux-là ne sont pas, ne sont pas musulmans. Malgré leurs prétentions. Et d'autres, Mohammed fait partie d'une euh, façon ou d'une autre d'Allah. Il peut l'influencer d'une façon ou d'autre. Il faut passer par lui pour atteindre Allah. Certainement, Allah ne l'accepte pas. Donc, ça, c'est un d'un point de vue euh, de la, du dogme même, de comprendre. Allah n'a pas besoin d'être défendu. Allah mm -hmm. n'a besoin de rien. Et donc, il ne faut pas, sous prétexte que des gens disent le faux, nous aller inventer sur ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Rien ne ressemble à Allah. Allah s'est défini. Donc on croit à tous ses attributs. Il les a révélés pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime. Et donc on ne va pas dire non, ce sont des attributs. Si jamais on les reconnaît, on serait dans l'anthropomorphisme. La, l'anthropomorphisme, en français, c'est le fait de faire ressembler les, euh, les créatures à Allah. Jamais. Le prophète que Dieu le bénisse lui-même. À affirmer des choses, aujourd'hui, si on les affirmait, on serait traité mm. d'anthropomorphiste. Alors qu'il est celui qui connaît le mieux Allah, celui qui le craignait le plus, celui qui l'aimait le plus. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas nier les attributs d'Allah, comme certains l'ont fait, les Jahamites en particulier. Mm. Un groupe de, de gens qui disent que euh, Allah parle d'attributs, mais en fait il n'a pas d'attributs. Celui qui n'a pas d'attributs, mm. c'est le néant. Voilà. Et donc, mm. ça, ce sont des choses. Il ne faut pas non plus les imaginer, il ne faut pas les nier il ne faut pas les interpréter à moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait interprétés parce qu'il est celui qui connaît son Seigneur il ne faut pas non plus les faire ressembler bien entendu, le verset sur lequel on revient souvent qu'il faut retenir c'est le, le verset 11 de la surah 42 il n'y a rien ne lui ressemble rien n'est comme Allah et pourtant il est audient il entend tout de façon parfaite, comme il voit tout de façon parfaite, donc mm. il a Nier une quelconque ressemblance, une idée quelconque de ressemblance, et en même temps il a affirmé des attributs auxquels mm -hmm. donc, il faut absolument croire qu'il entend tout, qu'il qu il voit tout, qu'il il est omnipotent, etc., etc. Donc ces attributs, on ne doit pas non plus chercher le, le, ce qu'on appelle le takif, c'est-à-dire comment Allah fait ceci. Non, Ce ne sont pas des questions sur lesquelles tu seras interrogé à moins de les inventer. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles les savants. Ils se sont tu par intelligence. On n'a pas nous à dire mais comment Allah fait ceci? comment Allah va ressusciter les morts, comment Allah fait ceci et cela. On ne pose pas de questions alors que nous, nous serons interrogés. Et il n'y a pas non plus Allah a dit ça, mais bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Allah a révélé un livre parfait qui est sa parole dans une langue parfaite, qu'il a parfait en tout cas, dans sa parole, qui est l'arabe. Et les Arabes comprennent ce qu'Allah a voulu dire. Ce n'est pas des, des mots qui n'ont pas de sens. Ce serait attribuer à Allah des, un attribut d'imperfection. Et ce qui ne correspond pas à Allah. Donc il y a un certain nombre de règles sur les faits, sur, sur la conception même de l'islam. Dans l'islam, le dogme en particulier, il est, ce qu'on a déjà dit, il est au kéfi. cest qu'on s'arrête à la révélation. On n'a pas, nous, à inventer, sur le compte d'Allah et sa religion, quoi que ce soit qui soit, donc, euh, euh, qui vienne de nous, dans la mesure où Allah a clôturé sa révélation et il l'a préservée. Alors, y a effectivement de parler de, par rapport au dogme. Le, le juge, effectivement, le, la position aussi euh, par rapport au, au destin. Si euh, tu pouvais en parler par rapport aux au deux groupes euh, un peu antagonistes qui ont été euh, connus. Rakhlaou, euh, ouais. effectivement, ouais. le destin, on en a oui. beaucoup parlé oui. le mois dernier. <laughs> Mais effectivement, si, il faudrait le rappeler, les mmh. deux groupes euh, euh, extrémistes, mmh. un qui nie le destin et qui dit finalement que c'est l'homme qui crée ce qu'il fait. fait ouais. Voilà, auquel cas, ben, Allah regarderait. Et et découvre, et puis, ouais. il, va, il laisse les gens, il voilà, n'y ouais, a pas mais de, 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 de destin l'homme fait ouais. son ouais. destin voilà, fait. donc nous nous croyons, voilà, voilà les modernes et l'autre qui dit non, l'homme est contraint, l'homme mm. est contraint tout ce qu'il fait c'est dans le destin et donc on a commencé à essayer d'expliquer que Allah est juste et on le sait il, a, il sait tout et rien n'arrive dans son royaume sauf ce que il a décrété dans sa sagesse et dans son omniscience mm. mais l'homme a une part bien entendu de responsabilité autrement il ne serait pas responsable de ce qu'il ferait. Donc Allah subhanahu wa taala c'est tout. Il a écrit, il a décrit, il a plutôt mm -hmm. dicté à la plume d'écrire 50 000 avant qu'il crée les cieux et la terre. La plume a écrit ce que lui sait et qui va arriver, mais l'homme ne sera jugé que ce où il a, bien entendu, une part de responsabilité. Mais ça, ça rentre dans la volonté d'Allah. L'homme ne crée, il n'y a pas deux créateurs, il y en a un seul qui est Allah. wa comme dit Ibrahim. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Mais c'est nous qui avons voulu faire la chose. Si on n'a pas voulu, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous contraint pas dans, mm. dans, et nous ne serons pas jugés sur ce qu'on a fait. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a deux créateurs, l'homme, Allah crée le bien et c'est l'homme qui crée le mal ou ce qu'il fait. Mm. Et ceci, bien entendu, n'est pas la conception des gens du juste milieu que nous recherchons et qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est les gens de la sunna et de la Jama'ah, les gens donc de ceux qui suivent la la, la noble tradition du professeur Salam, et qui sont sur la vérité, la jamaa ici, ce n'est pas le nombre, c'est mm -hmm. ceux qui sont donc sur ce qu'on appelle les sunnites, qui pour nous sont des, la sunna et la jamaa hein, ceux qui sont sur ce sur quoi était le professeur Salam, lui et ses compagnons. Mm -hmm. Donc sur le destin, effectivement, il y a cette tendance aussi, qui disent pour dédouaner, entre guillemets, pour dire qu'Allah est juste, mm -hmm. donc pour eux, il n'y a pas de ce n'est pas Allah qui crée le mal. Non. Allah, subhanahu wa il crée le bien, il crée le, il crée le mal. C'est Allah qui a tout créé. Et donc, on ne mm -hmm. peut pas attribuer un autre créateur ou alors on devient un associateur. Donc ça, c'est par, mm -hmm. par rapport à ce point du dogme. Et je voulais effectivement rebondir. On n'a pas parlé plein de fois, mais de façon euh, on, des, des allusions. Et je pense que c'est important d'en parler au sujet de voir de, de plus en plus des... Euh, effectivement des, des prédicateurs euh, de ce qu'on appelait les coranistes ça, ça fait partie de, de, des excès le prophète d'ailleurs dans un hadith il a dit que euh, notre perte serait dans, dans le livre d'Allah effectivement c'est pas parce que le livre d'Allah est est une est une conséquence on sait qu'il va nous amener à notre perte mais c'est notre interprétation et justement ça se prouvait aussi par ces par ce, ce type effectivement enfin ce groupe là qui qui ne jure que par le, le Coran effectivement par la par la, la parole d'Allah subhanahu exclut tout le reste effectivement exclut la la sunnah du prophète ah. quel est le quel est le le, 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 le le juste milieu par rapport effectivement à ça et de et, et effectivement ça fait partie je, je pense du dogme en façon parce que sure. dès le moment on on délaisse une, une, la, la vérité celle qui a été révélé au Prophète aïe parce qu'Allah nous a demandé effectivement de le, de, de le suivre et, et euh, suivre ses ordres. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Barak alayhi parce que je vois de plus en plus là sur les réseaux sociaux. Effectivement, Il a des... ça se fait sortir oui. de l'islam, celui qui croit à, au Coran et qui ne croit pas à la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa Allah a voulu euh, envoyer un messager pour nous montrer la vérité, et ce ne sont pas les versets qui manquent pour nous démontrer oui. qu'il faut obéir au messager d'Allah. Comment est-ce qu'on va obéir Ils disent non, ce sont les hommes qui nous ont transmis. Je dirais tout simplement, est-ce que le Coran a été révélé à ces gens-là Le Coran a été révélé au prophète. Allah l'a préservé comme il, a, comme il a promis. Et ce sont ces hommes qui ont appris le Coran, ce sont ces hommes qui nous ont apporté. Quand ils doutent de ces hommes, et pourquoi ils ne douteraient pas du Coran mm -hmm. Tout simplement. Et donc, le, le prophète a dit, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Si on, peut le, si on peut résumer ou traduire son, son, son propos et que des gens couchés dans leur divan se disent ce qu'on va trouver dans le livre de Dieu, on va le prendre ce qu'on va trouver ailleurs, on va le rejeter donc c'était de la prophétie Allah lui a montré ce qu'il a voulu et donc il n'est pas possible d'interpréter le Coran de toute façon sans la sunna du prophète Allah a envoyé des hommes, les meilleurs d'entre nous, la meilleure des générations pour accompagner le meilleur des hommes et donc Allah a mis euh, a voulu défendre son livre et la sunna au travers d'hommes qui non seulement étaient autant que perfection on puisse en parler pour un homme, étaient des gens qui craignaient Allah, qui le connaissaient, qui étaient des savants et Allah a voulu également après eux mettre des gens qui ont mis des critères. On ne va pas revenir sur la science du hadith et comme je le dis souvent c'est pour moi la science humaine la plus parfaite. Je n'ai jamais vu une science aussi parfaite que celle-là de délaisser quand on a un doute parce qu'il s'agit d'Allah, il s'agit de la religion. Donc ce sont des chaînes ininterrompues. On voit si la chaîne est interrompue ou pas. On voit qui a dit qui a dit pour remonter jusqu'au prophète. Si aujourd'hui on croit en Jésus, si aujourd'hui on croit en Moïse, si aujourd'hui mm. on croit en Abraham, si aujourd'hui on croit en tout ce qu'on croit, c'est grâce à Allah subhanahu wa au travers de, de la conservation de cela, des paroles du prophète et également du Coran. Et il ne parlait pas de lui-même comme Allah l'affirme dans la Surah Al-Najm. On ne peut pas douter, comme l'a dit le prophète, il m'a été donné deux choses le livre d'Allah et ma sunna Celui qui s'y si, euh, accroche ne sera jamais égaré. Mmh. Donc, ce, on ne peut pas faire de distinction entre guillemets. Quand je dis distinction, il y a la parole d'Allah, qui est sa parole incréée il y a la parole du prophète, mais qui est révélée par Allah. Mmh. Comme Allah le dit s'il inventait sur Allah quoi que ce soit, il lui aurait tranché la horte. Ce n'est pas parce mmh. qu'il est prophète, c'est lui qui l'a nommé prophète. Il ne, on ne peut pas imaginer que le prophète allait sur tout cela, mais il dit une chose, contraire à ce que Allah aime. Donc, ça, ce sont des gens qui sont égarés et qui égarent les gens. Et c'est mmh. un certain nombre de gens. Ah oui, on ne trouve pas euh, dans, le, dans le livre d'Allah ceci et cela. Moi, je leur dis simplement, quand tu fais la prière, est-ce que tu trouves que le dhor, c'est 4 à Voilà, mmh. tu ne pries pas. Il y en a un d'entre eux, paraît-il, qui, qui est parti au Hajj et qui a été faire un tour la Kaaba, hein, et il est remonté à l'hôtel. Et on dit pourquoi, il dit parce qu'il n'est pas écrit dans le livre, dans, Allah parle du de, de tawaf, mm. mais il n'a pas dit qu'il fallait faire cette tour. Comment est-ce qu'il va faire la zakat? Comment est-ce qu'il va prier? Comment est-ce qu'il va se marier même? Où est-ce qu'il trouve dans le livre d'Allah qu'il faut ceci et cela pour que le mariage soit valable? Comment, non mais je veux dire, c'est comment il va vivre, tout simplement. C'est qu'il s'est fait une religion à, à, sa, à, à son idée, il s'est fait une, sa propre religion, et ça, ce n'est pas l'islam. Allah dit, entre autres, dans le verset 7, la surat 59, Wama Wama Ibn Masoud a une femme est venue le voir, c'est un hadith qui est rapporte par l'imam al Boukhari. il lui dit Tu prétends que Allah maudit la femme qui s'épile et celle qui épile Il a dit Oui. J'ai lu le livre d'Allah en entier et je ne l'ai pas trouvé. Il lui dit Relis-le. La femme vient, oui, oui, j'ai lu tous les livres, je ne l'ai pas trouvé. Il dit, est-ce que tu n'as pas trouvé le verset 7, la sourate 59, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais est-ce que tu n'as pas trouvé ce verset-là C'est que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu que vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah et dit oui. Il dit, alors moi, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que la femme qui se fait qui s'épile et celle qui se fait épiler, les deux sont maudites. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire mais, mais ta femme, s'épile. Et alors Et même si ma femme s'épilait, ça va changer le livre d'Allah Il dit va la voir. Va voir si elle est épilée. Parce que je, sais que je sais ce que j'aurais à faire. Elle, à, elle aurait désobéi à Allah, à son messager Elle va et dit non, non, non je me suis trompé, elle ne s'épile pas. Bien entendu, c'est ce juste une anecdote parmi d'autres. Mm -hmm. Le messager d'Allah n'a parlé que de ce, ce qui lui a été révélé. Il était celui qui connaissait le mieux Allah et ses compagnons, comme disent les meilleurs d'entre nous. Allah a choisi la meilleure des générations pour accompagner le meilleur des prophètes. Et il a voulu que cette science du hadith existe. Celui qui n'y croit pas, il suit ses passions. Il faut absolument pas les croire. Et il y en a de plus en plus, comme mm. tu dis, et pas qu'en Europe, partout, mm. y compris dans les pays musulmans. Les gens qui prétendent, le Coran, je le suis. Si tu suis le Coran, forcément, tu obéis au professeur Saddam. Si tu suis le Coran, tu suis la vie des gens que a agréé les compagnons du professeur sallallahu ou sur lequel il n'y a pas de discussion en tout cas pour les gens de la sunna Allah les a agréés qui sont-ils c'est les compagnons du prophète mm. c'est comme le verset notamment le verset 115 de la surah euh, Nisa Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces compagnons-là parle des croyants quand il parle des croyants il parle des compagnons du professeur salam. et donc ce n'est pas euh, une voix qui suit celle de la voie droite, et c'est une déviation dans le dogme, comme il y en a d'autres, mais celle-là en particulier est de plus en plus répandue, malheureusement, dans ce dans ce monde-là. Effectivement, on a parlé du dogme, je ne sais pas si tu voulais parler, je pense qu'il y a, il y a plein, de, plein de sujets sur lesquels on peut effectivement euh, apporter des éclaircissements, mais je pense qu'on a regard, vu l'essentiel. Euh, par rapport aux adorations, si tu parlais effectivement tout à l'heure du, du concept juste milieu par rapport aux adorations et, les, et éviter les excès. Hein. Euh, si tu pouvais Inch'Allah, nous en nous en parler, je pense que c'est important de de voir quelles sont les formes d'excès et que, comment déjà avant même de parler de certains exemples effectivement, c'est quel est le juste milieu, comment euh, qu'est-ce qui pourrait m'aider, euh, quelles sont les règles à adopter quand on est on adore Allah subhanahu wa ta'ala pour garder effectivement ce chemin de la droiture. Et ce, ce qui est caractérisé par le juste milieu qui est le meilleur, qui, qui caractérise le bien. On a dit euh, que le juste milieu se trouve bien entendu, Allah est parfait. Il a, il a envoyé une religion parfaite. Entre autres, sagesse d'envoyer un prophète et un livre qu'il a préservé, c'est la facilité. Mmh. Donc Allah sait qu'il a créé, c'est qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Donc il n'a pas demandé, il ne nous a pas demandé. Plus que ce que l'on fait, comme on a déjà vu l'interprétation fausse de la, du verset 286 de la surat al-Baqara, c'est se démissionner en disant que, écoute, je peux pas. On sait, on vient de terminer un mois béni, qui est le mois de Ramadan, on a jeûné 30 jours, et si Allah avait voulu, on aurait pu jeûner toute l'année. Il y a des gens mmh. qui n'ont même pas de quoi manger. Pourtant, Allah Ça nous éprouve par ce mois-là pour nous bénir, et en même temps, il nous demande de, de, de manger les autres jours, sauf celui qui veut. C'est pareil pour la prière, les anges, alhamdoulilah, prient tout le temps, et Allah nous, dit, nous a fixé cinq prières, et alors qu'on sait qu'il en avait ordonné cinquante. Voilà, donc c'est la facilité dans l'islam, et simplement, il ne faut pas euh, l'inventer, et se dire, non mais moi, Allah sait que j'ai le, le cœur qui est, qui est pur, entre guillemets, et je n'ai pas besoin de prier ou autre chose. Ce sont des épreuves, et Allah n'a rien ordonné que le meilleur. Par conséquent, si... Euh, la règle, c'est le fait de suivre ce que Allah subhanahu wa a, a rendu obligatoire avec des règles et le, comme l'a dit le professeur Salam, par exemple pour la prière, salut, prier. on a déjà vu ce hadith et bien d'autres, prier comme vous avez vu prier. Donc Allah a aimé une façon de faire que l'ange Gabriel est venu euh, enseigner au professeur Assalam, que lui-même nous a enseigné. Donc à partir de ce moment-là, on reste dans... C'est que Allah aime, puisqu'il a enseigné à son professeur wasallam. c'est le plus facile, c'est ce que tout le monde peut faire. Et si on ne peut pas, Allah a donné donc, des facilités pour ceux qui sont malades ou enceintes ou autre chose dans certaines circonstances, comme le jeûne, comme la prière, etc. Donc la règle, c'est de suivre ce qui. On ne peut pas parler d'islam et faire sur ses passions. Et la règle, c'est que tout est, dans l'adoration, tout est interdit sur ce qui est permis. Quand on veut adorer Allah, on n'adore pas Allah comme on veut. On, aime, on adore Allah comme Allah aime. Et comme il l'a aimé, il a enseigné à son professeur Salam qui nous l'a transmis. Donc c'est ça la règle principale. Mm. Ensuite, des exemples, il y en a des extrémistes de, 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 de tous côtés. Les laxistes euh, qui se disent « Allah n'a pas besoin de notre prière », certainement. Allah n'a pas besoin ni de notre prière, ni de notre jeûne, ni de nous-mêmes. Allah n'en a pas besoin, c'est une preuve. Il nous a créé pour nous faire miséricorde. Celui qui veut prendre un autre chemin, Allah n'accepte pas de lui. Donc, il n'a besoin de rien. Et cela ne jeûnent pas, ne prie pas, ou quand ils veulent, en disant "In rahim Allah est miséricordieux. Il pardonne certainement. Il pardonne tous les péchés pour celui qui ne meurt pas, celui qui meurt plutôt euh, en dehors de l'association. Allah nous a guidés et combien et tout le temps. Et donc, celui qui veut se passer de sa guidée, certainement mérite de mourir dans l'égarement. Mais Allah n'a pas besoin de nous, c'est certes, mais il nous éprouve. Par conséquent, on se doit de suivre le chemin des messagers, jusqu'à la mort. C'est ce qu'il a ordonné à son prophète, que Dieu le bénisse, et a ordonné aux gens, aux gens avant nous. Maintenant, il y a également Satan. Comme on a dit, peu importe que tu tombes à gauche ou que tu tombes à droite, l'essentiel, c'est que tu dévies du droit chemin. L'exemple que tu connais et que beaucoup peut-être connaissent, c'est que trois hommes sont venus trouver les femmes du prophète mm. en disant que fait le prophète sa, dans sa vie, pour en faire un exemple en théorie. Mm. Et donc, les femmes le, 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 du prophète me disent que c'est quelqu'un qui dort et le dernier tiers de la nuit ou une partie de la nuit, c'est là pour prier. Il y a des moments où, quand tu veux le voir jeûner, il jeûne il y a des moments où il mange. Et il, a des, il, est, il est marié. Et donc qu'est-ce qu'il Satan les pousse à dire Moi je suis il euh, y a un qui dit moi je ne veux plus jamais dormir la nuit, je vais prier toute la nuit. Un, un deuxième qui dit moi je ne vais pas me marier, un troisième qui va dire moi je ne vais pas manger dans la journée. Et quand le prophète Alayhi Salam va revenir, quel est le prétexte qu'ils disent donc, Ce n'est pas un prétexte, c'est une réalité. Allah dit il y a min wa mata akhar. dans la sourate al fat 48 verset 1, Allah dit afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir. Donc ils ont dit, mais ça c'est le prophète, ses péchés sont déjà pardonnés. Donc quant à nous, qui sommes des pécheurs, donc ça part d'une bonne intention. Et dans l'islam, mmh. l'intention ne justifie pas l'acte. Ça ne suffit pas. Je, je veux aimer Allah, je lui donne un fils. Je veux aimer Allah, je passe par une pratique ou une autre pour me rapprocher d'Allah. Ça ça, ça, ça ne marche pas. Le deuxième verset de la sourate ou le troisième de la surah 39, à Zumar, qu'est-ce qu Allah dit pour ceux qui associent à Allah Il dit, mm -hmm. en fait, ces idoles, on ne les adore pas. On les adore que pour atteindre Allah, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc, la bonne intention dans l'islam ne suffit pas. Mm -hmm. Pour revenir donc à notre, à notre récit. Euh, ils ont dit, puisque Allah a pardonné au prophète, c'est un cas particulier. Quant à moi, dit le donc je ne vais, vais pas manger dans la journée. Un deuxième, moi je ne vais pas me marier. Un troisième, moi je ne vais pas dormir dans la nuit. Quand il est venu, il n'y a pas de hasard, et il demande, et le prophète sallallahu alayhi sallam, à ses épouses, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont absenté On dit oui. Et qu'est-ce qu'ils ont posé comme question Il lui pose, il lui relate, elle lui relate plus sur ces questions-là. Elle lui dit, il, et il répond lui, alayhi sallallahu sallam. Moi, je suis celui qui connaît le plus Allah, ou dans une version, celui qui le craint le plus. Et je mange, je jeûne, et je dors, je me lève la nuit pour prier, et je les épouse. Celui qui s'éloigne de ma façon d'être, de ma sunna, n'est pas des miens. Voilà. Et donc, n'est pas des miens, ça ne veut pas dire qu'il est sorti d'Islam, ça veut simplement dire qu'il n'a pas suivi le juste milieu. Ce juste milieu, c'est que c'est Allah qui nous a créés, qui n'a besoin de rien, et qu'il a voulu qu'on ait des besoins. On a besoin de manger. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas. On a besoin d'avoir des relations conjugales parce que c'est physiologique. Les anges n'ont pas de sexe. Les, les, les anges n'ont pas besoin de ça. On a besoin de dormir. Les anges ne dorment pas, etc. Donc, Allah nous a créé de la meilleure des façons. Donc, on se doit d'observer les facilités qu'Allah nous donne. Sinon, on ne va pas tenir parce que c'est Allah qui, a, qui nous a créés. Allah la le khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui nous a créés alors que c'est lui le subtil, le bien informé un autre exemple de. Bon ça, ce sont ces trois hommes. Mm. Donc, celui qui veut faire plus que ce que Allah subhanahu wa lui a ordonné, donc il y a une obligation, certainement, va. Personne, a dit le Prophète, ne va rentrer en compétition avec la religion, Il va s'imposer des choses que la religion n'y a pas imposées, sans que la religion ne le casse. Et en effet, mm. quelqu'un que nous aimons, et qui est un compagnon du Prophète, mais un jeune qui savait écrire, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhumma, et le professeur Sam l'a appelé un jour et il a dit « N'est-ce pas que j'ai entendu Abdallah que tu pries toute la nuit et que tu jeûnes tous les jours ?» Il a dit « Oui, je, je peux. » Il a dit « Jeûne trois jours par, par mois. » Il a dit « Je peux faire plus. » Il dit « Jeûne un, un jour sur trois. » Il dit « Je peux faire plus. » Il dit « Jeûne un jour sur deux. » Il dit « Je peux faire plus. » Il dit « Tu ne peux pas faire plus. » Ça c'est le jeûne. Le meilleur jeûne chez Allah, c'est le jeûne de mon frère, Daoud. Il mangeait un jour et il jeûnait un jour et il ne fuyait pas dans la bataille. Et donc, Abdallah ibn Amr ibn As, il a, Allah lui a donné une longévité. Il a vécu longtemps. Et il lui arrive, quand il a pris de l'âge, de ne pas pouvoir jeûner un jour sur deux. Et qu'est-ce qu'il disait Plus à Allah que juste écouter le prophète que je ne jeûne que trois jours par mois. Celui qui jeûne trois jours par mois. Allah le récompense dix fois et donc c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Et quand le professeur lui dit tu ne peux pas faire ça, bien sûr on ne peut pas. Si on pouvait le faire, on ne peut pas parce que Allah est miséricordieux, parce qu'Allah n'a pas besoin de notre jeûne. Et celui qui jeûne toute l'année, comme l'a dit le professeur Allah, son jeûne n'est pas valable. Allah n'accepte pas de lui. Je me rappelle d'un de ses frères, qu'Allah le réforme et qui disait qu'il jeûnait tous les jours. Connaissant ça, mais il dit non, non, non. Moi je, 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 je me suis fait inviter entre guillemets hein, par une personne qui m'avait dit ça et donc euh, j'ai été le visiter et il m'a donné, il nous a donné à déjeuner, et je dis moi je dit non, non, moi je jeûne, je dit non, il faut que tu manges, c'est une sunnah, mm. etc. Non, il me dit tu ne connais pas mon casier judiciaire. ça à dire tu ne sais pas combien j'ai fait de péché avant. Mm. Allah pardonne, c'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Ce pas parce que tu as jeûné qu'Allah va te pardonner. Tu désobéis au prophète qui t'a interdit de jeûner tous les jours. Et toi, tu veux te rapprocher d'Allah par une voix qu'il n'aime qu pas. Donc, c'est ce que l'on oublie et on ne connaît pas son Seigneur qui pardonne toutes les fautes à celui qui revient repentant grâce à lui. Et donc, on s'impose des choses qu'on ne pourra jamais observer puisque c'est Allah, subhanahu wa, le miséricordieux par essence et par excellence, qui nous l'a facilité la vie. Et donc ça, c'est voilà un, ext un extrémisme, euh, un extrême qui est le fait de vouloir euh, ce qu'on appelle le rigourisme, entre guillemets. Mm. Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable. Il ne s'agit pas de désobéir à Allah. Mais Allah ne nous a, nous a ordonné que ce qui est faisable. Et que dis-je La bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, voire plus. Donc il ne faut pas penser qu'on peut se rapprocher d'Allah en faisant ce que le prophète Assad n'a pas fait. Et pourtant, comme, mmh. il est déjà arrivé d'ailleurs, je m'arrêterai là pour que tu, tu puisses continuer, Charles. Et il est déjà arrivé, il jeûnait des jours consécutifs. Le jeûne continue. Il a interdit. C'est qu'en on lui a dit, mais, mais toi, tu jeûnes. Tu jeûnes sans, sans interrompre. Pourquoi nous, on je jeûnerait pas? Il dit, moi, je ne suis pas comme vous. Mon Seigneur me donne à manger, et à boire. Et il est arrivé de les laisser le faire. Et c'était heureusement une fin de mois. Et il a jeûné, on n'a pas vu la lune. Et il était, je dirais, presque content, parce qu'ils ont continué le jeûne, et on a vu finalement la lune. Il dit Si vous n'aviez pas vu la lune, je vous aurais obligé de continuer à jeûner, et comme ça vous auriez su. Parce que le prophète, Allah ne lui a ordonné que le meilleur, et il a des qualités que Dieu lui a données et que nous n'avons pas. Hmm. Si Allah. Nous, pour trois jours de jeûne, nous récompensons par 30 jours de jeûne. Je ne sais pas pourquoi l'homme va chercher à compliquer les choses en voulant jeûner euh, les 30 jours. Allah regarde les cœurs, comme l'a dit le professeur mais il ne regarde pas vos apparences, Allah regarde vos actes et leur source qui est le cœur. Donc Allah n'a besoin que de l'intention, que, que de nous montrer qu'on est sincères nous-mêmes. Et donc, de cette intention qui est traduite par l'obéissance à Allah Subhanahu wa Taala et à son Messager, c'est ce qui est récompensé. Ce n'est pas la quantité dans l'islam, c'est la qualité, la qualité du cœur en particulier. C'est la chose la plus importante. Et tu parlais effectivement tout à l'heure de ce concept, de, en parlant du concept, pardon, du juste milieu. Effectivement, on voit que Aujourd'hui, quand euh, on regarde les deux extrêmes, c'est plutôt le laxisme qui, qui est le plus répandu. Hein. Le rigorisme, c'est quelque chose qui, qui peut arriver, effectivement, mais c'est toujours très circonscrit. Euh, et certains prennent justement une interprétation fausse et erronée du concept de juste milieu, de ce qu'on appelle l'Iatidea, la loi santé, etc., en arabe, pour interpréter et dire qu'effectivement, c'est plutôt la facilité tout le temps, effectivement, que je puisse... Rechercher la vie le plus simple, la vie le plus facile, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de, de respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous, nous, nous demande de faire, c'est plutôt d'aller vers le laxisme et dire que, comme tu as dit tout à l'heure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin, effectivement, de tout ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là, nous a pas, demandé toutes ces contraintes, et que c'est pas obligatoire, tout ça, voilà. Et on vit effectivement un, trop de laxisme, justement, parce que une catégorie de personnes, une catégorie de penseurs, ont plutôt pensé ou interpréter le juste milieu par, par le laxisme, justement. Effectivement, c'est, disons, qu'ils ont privilégié la raison oui. à, à la révélation. Mm. Or, Allah euh, a facilité les choses. On ne peut pas faciliter plus que ça. Mm. Et si Allah nous a ordonné ce qu'il nous a ordonné, c'est le minimum. Mm. C'est pour notre bien. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et donc, ils sont félicités, invités sur toutes les chaînes mm. euh, de télévision. Ils ont écrit, euh, mm. des choses qui ont été vendues pour dire que l'islam, ce n'est pas ce que euh, mm. les, certains prétendent, ce que les savants, ils ont écrit, mm. etc. Et que l'islam, c'est bien plus simple que ça. Donc, il suffit de, voilà. Ça, ce sont des gens qui sont égarés et qui égarent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont égarés et ils égarent. Si Allah nous a ordonné ce qu'il nous a ordonné, il faut revenir encore mm. dessus. De 50 prières, si Allah nous a ordonné cinq prières, en revenant sur cet ce aspect extrêmement important, c'est bien parce que sans ces prières-là, on est perdu. Cinq fois par jour, si on ne revient pas vers Allah, sauf excuse pour les femmes mm -hmm. indisposées, pour l'enfant qui ou pour le fou, sauf cela, le monde nous mange. Le monde a été décrit, mais malgré qu'il a été décrit, malgré que l'influence de Satan sur nous ait été précisée et Allah revient souvent dessus, on a quand même tendance à oublier. C'est comme ça qu'il a, a amené nos pères et mères euh, donc, euh, à, à désobéir à Allah. On oublie, Allah nous rappelle, Allah nous oblige à revenir vers lui cinq fois dans la journée. Ce n'est pas parce qu'Allah en a besoin, il n'a besoin de rien. Mais si tu ne reviens pas vers Allah cinq fois dans la journée, c'est que tout ce monde va te manger et tu vas mourir en n'ayant pas goûté. Donc, c'est pourquoi ce monde a été créé, l'adoration d'Allah. Et donc, si Allah nous demande de nous priver du manger, du boire pendant, une, pendant un mois pour ceux qui peuvent, c'est parce que sans ça, tu ne vas pas arriver à ce qu Allah aime, c'est-à-dire la piété. Si Allah nous, donne, nous oblige à donner une part du pauvre, parce que l'homme est avare. Et si Allah ne t'impose pas dans ces temps, tu n'as pas eu besoin pendant un an de donner la part du pauvre, tu ne le feras pas, etc. etc. Si Allah ne nous interdisait pas de mentir, de tricher, de médire, de voler, certainement qu'on le ferait. Et donc, Allah nous a imposé les choses pour notre bien. Et si tu ne l'observes pas en disant qu'Allah est miséricordieux, tu prendrais le droit de l'autre, la, la vie ne serait pas ce qu'il dit à propos du talion mmh. ou à propos d'autre chose. Si Allah n'éprouvait pas les uns par les autres, la terre serait corrompue. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous a créés. Il sait comment les choses doivent marcher, sans compter que nous met à l'épreuve. Donc, ce n'est le fait de dire que Allah est miséricordieux de négliger, mm -hmm. et comme tu dis, c'est la, une large majorité parmi les musulmans, le laxisme, mais faire la prière à l'heure. À, à, à quoi ça sert Et puis on n'a pas le temps. Et puis c'est en 2000 ceci, et puis c'est en cela. Allah n'a besoin de rien. S'il te le dit, c'est bien. Justement, peut-être encore plus aujourd'hui qu'on a besoin de faire la prière à l'heure qu'avant. Avant, les gens ils étaient pieux. On, ils, avaient, ils aimaient la prière. Aujourd'hui, si elle n'était pas obligatoire, le peu de gens qui la font, peut-être ne le feraient même pas. On dit qu'en France, et je reprends cette, cette statistique, on dit qu'en France, il y a 70% qui avouent, des musulmans qui avouent ne pas faire la prière. Et j'ai dit qu'il avouent. Alors, quant aux autres, les 30%, Allah seul sait, c'est celui qui a goûté à la, à la saveur de la prière. Quand on goûte à la saveur de la prière, jamais on n'abandonnait la prière. Le professeur Sallam il a dit, on m'a fait aimer de votre vie trois choses, mais la prunelle de mes yeux, C'est que ce que j'aime le plus, c'est dans la prière. Si on arrive à ce stade, dans mais il y a très peu de gens qui y arrivent. Par conséquent, si Allah ne nous obligeait pas à prier, on n'aurait pas prié. nous obligeait pas à jeûner, on n'aurait pas jeûné. Et donc, c'est une façon, c'est un amour, c'est une miséricorde pour nous de nous obliger à faire ceci et cela. Aujourd'hui, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, on prie pour eux après un âge avancé, alors qu'on pensait que c'était la contrainte on dit à qu'Allah bénisse mes parents, ils m'ont enseigné ceci. Qu'Allah bénisse nos parents, ils nous ont fait ceci, cela. On le comprend que bien plus tard. Et que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses ordres, qui sont tous sages et de ses interdictions qui nous mettent des barrières pour qu'on ne tombe pas dans la bestialité et voire pire. Effectivement, on a parlé de, de ce concept du juste milieu dans l'adoration et j'aimerais effectivement qu'on puisse, parce que le temps... Fil et, et la discussion est tellement passionnante qu'on qu qu a envie d'aller davantage. Euh, la question par rapport au comportement, parce qu'effectivement le juste milieu dans le comportement est extrêmement important. Euh, le comportement, il y a toujours ce juste milieu, c'est entre deux excès. Donc, quand on prend l'exemple de, de, la, de la générosité, c'est entre deux extrêmes, que ce soit effectivement l'avarice la, la, ou les, les dépenses, ou en tout cas la... La gaspillage, la gaspillage c'est toujours entre deux effectivement c'est pour ça que ce milieu c'est toujours le meilleur c'est toujours le bien Barak Laufik, si tu pouvais nous en nous, nous parler de ce sujet important parce que le, une des composantes importantes de notre religion c'est le comportement Absolument. le jugement des autres la façon de nous comporter vis-à-vis -vis des autres balak si Mohamed, le prophète m'a dit je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon non, comportement. Le comportement et effectivement le musulman il est entre les deux c'est pas parce qu'il y a des gens comme on dit l'argent l'argent les, 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 les brûle mm -hmm. quand ils l'ont ils le dépensent à fait. Alors que nous serons interrogés, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger, nous serons interrogés sur ce qui nous a été confié. Et donc, le, le, Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la surata Isra, il nous dit qu'il n'aime pas les dépenses, qu'il n'aime pas les gaspilleurs, mmh. de ne pas non plus être avare. Donc, ce sont des épreuves. Toujours donner, effectivement, aux pauvres, et tout en privilégiant les gens qui sont à notre charge et la règle mmh. principale c'est enfin en tout cas c'est mmh. que je trouve le résumé de tout ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mmh. aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère c'est qu'il aime pour lui-même et donc là c'est de tout point de vue le hadith embrasse tous les domaines de la vie donc il n'est pas croyant il n'est pas croyant il n'est pas croyant on dit qui, dit qui donc il dit celui qui dort alors que son voisin a son ventre vide voilà ou celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ces méchancetés. Donc si on se place dans l'islam et qu'on sait qu'on croit en Allah au jour du jugement dernier, on se doit de surveiller son propre comportement et on se doit d'appliquer à soi ce qu'on aimerait qu'on nous applique. D'ailleurs dans le jugement en particulier, on a tendance à favoriser notamment donc nos, nos, nos proches, et Allah insiste dessus, d'être témoin vis-à-vis d'Allah, notamment dans la sourate. Ma idée dans la surah 5, que ce soit le verset 2 ou le verset 8, Allah dit, même si c'est contre vos propres, vos, vos propres parents et contre vous-même, c'est que la, le juste milieu oblige à juger les gens de la meilleure façon. Quand Allah a révélé eh, le jugement, ce jugement, on doit l'appliquer, même si c'est contre nous-mêmes. C'est aussi vrai dans le jugement d'une chose. On a tendance à suivre nos passions. Eh moi, j'aime ça, donc c'est permis. Mm. Moi, je n'aime pas ça, donc c'est pas permis. Et Allah nous met en garde également dans ce jugement-là. On doit, c'est Allah qui sait le début, le milieu, la fin, les conséquences. Il est le sage, le seul sage. Et il nous dit, il nous a interdit un certain nombre, une minorité de choses. Il nous a interdit ces, ces choses-là. Et on doit les observer et ne pas définir en fonction de nos passions ce qui est bien et ce qui ne l'est pas parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas. Allah sait et nous on ne sait pas. Par conséquent, le juste milieu, c'est d'avoir toujours un comportement exemplaire, est-ce qu'on aimerait On n'est pas, au... pas des savants, et en tout cas, il y a plus savants que nous, et on n'est pas obligé de tout savoir, mais dans tout... on ne pourra pas de toute façon, mais dans le comportement, il faudrait toujours éviter de faire du mal à qui que ce soit. Soit on fait dire à Jésus, à l'Islam de tendre la joue gauche à celui qui te gifle qui te sur la joue droite, ce n'est pas ce que dit l'islam, l'islam te dit de d'ordonner le bien, d'interdire le mal, parce qu'en le faisant, hein en ne le faisant pas plutôt la société elle-même toute la société est impactée par cela. Donc tu dois être exemplaire dans ton comportement, de ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, de donner. Est-ce que tu n'aimerais pas entre autres la zakat sur lequel euh, tu es souvent revenu Est-ce que tu n'aimerais pas aujourd'hui que l'on te donne, que quelqu'un te donne au moins une partie de ce dont tu n'as pas eu besoin pendant un an voilà. Donc, tu essaies de te mettre à sa place et tu remercies Allah de t'avoir évité d'être à sa place parce que ce n'est qu'une preuve. Ce n'est pas parce qu'Allah, il t'aime. Voilà. Donc, de tout point de vue, l'islam ordonne de ne pas tout dépenser et demain d'aller tendre la main et non plus de ne pas être avare en pensant qu'on va aller dans la tombe avec ce qu'on aura économisé. C'est Allah qui, a, qui pourvoit à tous les besoins, euh, des petits comme des grands, des hommes comme de toute créature. C'est Allah qui pourvoit à leurs besoins et donc on lui fait confiance tout temps les moyens de subvenir, enfin d'essayer de subvenir de façon honnête à nos besoins. C'est vraiment, vraiment très très important de le, de le prendre effectivement, de prendre ce, ce point de vue là sur le juste milieu et de l'équilibre dans le comportement et de comment on réagit vis-à-vis -vis des gens, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'excès, surtout voilà, beaucoup qui viennent de nos pays où il y a beaucoup de sensibilité. Et, et, et l'islam nous, nous pousse à prendre un peu de recul sur notre façon de réagir. Effectivement, le, le, tu nous as parlé plusieurs fois que même le sourire vis-à-vis -vis de ton frère est une est une sadaqa. Il faut toujours le prendre en compte que ton comportement est une est un témoignage du degré de ta foi et du degré effectivement de, de ta croyance en Allah. Mais également, tu seras jugé sur ta façon de te comporter vis-à-vis -vis des autres. Et ça, des fois, on n'a pas, on, on réfléchit pas parce que c'est très difficile aussi de se contrôler, de contrôler ses sentiments, de contrôler sa façon et aussi le comportement est, est très comment dire très imprégné par la sociabilisation, par notre par notre vécu. Et du coup, c'est très difficile à réformer, mais n'est jamais trop tard. Du coup, il faut toujours effectivement travailler sur ce comportement parce que ce comportement peut annuler beaucoup 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 de choses. Effectivement, de des adorations, ce qu'on en envoie, ceux qui prient toujours au premier rang. Qui euh, qui jeûnent, comme tu as dit mais qui ont un, un, un comportement exécrable et ce comportement peut annuler justement tous ces bienfaits et tous ces toutes ces hassanates qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent avoir parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous mais euh, qu'Allah wa ta'ala accepte de nous, de nous tous est-ce que tu pourrais juste euh, voilà si tu pouvais euh, appuyer là-dessus et faire comprendre que c'est le comportement fait partie de la religion et c'est quelque chose d'extrêmement important et parfois plus important parfois que le que, que, que certaines adorations qu'on pourrait effectivement faire sur l'irrigatoire et autres. Effectivement, le professeur Sallam nous a dit, entre autres, on est venu lui signaler le cas d'une femme qui passait ses nuits à prier, mmh. ses jours à jeûner, oui. ses voisins se plaignaient d'elle. Oui. Il a dit, elle est en enfer. <coughs> elle est en enfer. Pourquoi Parce que c'est l'ange Gabriel est venu le lui recommander particulièrement le voisin au point qu'il a craint qu'il l'inscrive parmi les héritiers. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pas une femme et un enfer à cause de quoi À cause du de son comportement vis-à-vis d'une chatte. Parce que non seulement mmh. il a pas donné ni à manger ni à boire, mais parce qu'elle a séquestré la chatte et elle en est morte. Donc c'est pour dire que l'important, comme le mmh. disait un philosophe, n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. Et au jour du jugement dernier. Comme nous l'a si, si bien explicité le professeur Salam, oui. c'est le fameux hadith qui doit mm. faire peur à celui qui croit au jour du jugement dernier. Savez-vous qui est l'insolvable Ils ont dit, l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a rien. Il n'a rien, il n'a pas de dirham, il n'a pas de dinar. Il dit, non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui vient avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi. Il est au premier rang, il jeûne souvent, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel... In, pris le bien de tel autre, insulte tel, tel autre, au jour du jugement dernier, ils vont venir faire la queue. Allah est juste, mm. il a intérêt l'injustice, par conséquent, ces gens vont venir se plaindre à Allah. Et Allah va prendre ses bonnes actions, il va leur donner. Et s'il n'a plus de bonnes actions et que la queue continue, il va prendre leurs mauvaises actions proportionnellement, il va les mettre dessus et tomber mm. en enfer. Voilà, mm. donc ça c'est qu'Allah nous en préserve. C'est ce que moi j'appelle le saut troué vraiment de se retrouver dans la mesure où c'est quelqu'un qui va se retrouver avec euh, beaucoup de bonnes actions, mais qui malheureusement, malheureusement, donc va se retrouver avec euh, des bonnes actions d'un côté, la balance va pourtant mmh. pencher mmh. du mauvais côté, puisque la personne va revenir, la personne va revenir avec donc, plein de péchés et va prendre les péchés des autres. Et il risque de tomber, risque, c'est même sûr. Mm. tombera en enfer parce que la balance penchera du mauvais côté et le professeur nous a mis en garde. Et comme un des gens, comme des gens, sont rentrés au paradis par la miséricorde d'Allah à cause du bon comportement. Tout à fait. Exactement. Ne serait-ce que pardonner. Et tu te rappelles mm. certainement, le Prophète sallallahu sallam, il ne parlait pas de lui-même. Quelqu'un est rentré dans la mosquée, ce n'est pas celle-là, et meilleur que, que celle-là. Et il a dit, avant qu'il ne rentre, il a dit que celui qui veut voir. Quelqu'un du paradis qui voit celui qui rentre. Nous avons tous regardé, certainement, et voilà un homme qui venait juste de terminer ses ablutions et qui l'eau dégoulait encore de sa barbe et qui a posé ses sandales et qui a fait deux raca. Un autre jour, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. C'est la même personne qui est rentrée. On pense que c'est Saad. La troisième fois, pareil. Ibn Omar, qu'Allah ainsi que son père, il a dit, mais moi je veux voir qu'est-ce qu'il fait celui-là. Il, il a prétexté être en discorde avec son père s'il pouvait le berger. Il a dit oui, bien sûr. Il l'a amené chez lui et il pensait qu'il allait jeûner tous les jours, non. Il pensait que la nuit il allait prier, non. Sauf que quand il se réveillait la nuit, il remerciait Allah, il faisait un peu de dhikr, il s'endormait. Il ne se levait pas le dernier tiers de la nuit pour prier. Au bout de trois jours, Ibn Omar, car a la grèce que son père, il lui dit en fait, je n'avais pas de soucis avec mon père. Mais juste trois fois de suite, j'ai entendu le professeur me dire, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui-là. Et c'est toi qui es rentré trois fois. Et pourtant, je n'ai vu rien faire de spécial. Il a dit, bah, c'est ce que tu vois. Hein. C'est ce que tu vois, je ne fais rien de spécial. Et donc, il est parti. Et après, il l'a rappelé. Il a dit, attends, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. C'est que je ne dors pas sans avoir pardonné à tous les musulmans. Il dit mais c'est certainement ça c'est à mmh. ça que je ne suis pas encore arrivé c'est à que pardonner à tous les musulmans mais c'est tellement beau, mmh. c'est facile à dire mais ton cœur est tellement léger Allah pardonne matin, midi et soir Allah pardonne tout ce qu'on a fait Comment toi tu es là, tu ne pardonnes pas tu dors avec la haine de ton mari, de ton époux de, de ton, ton épouse, de, de, de tes frères de tes soeurs, du musulman, du non musulman et tu veux ensuite que Allah il te pardonne tu veux ensuite que Allah il accepte ce que tu fais Allah, Si nous a décrit qu'il aime le pardon, Allah Si nous a invité à nous pardonner, à demander pardon, c'est bien pour que tu comprennes qu'il aime le pardon. Allah aime le pardon, mais tu veux pas pardonner et tu veux qu'Allah te pardonne. À cause d'une attitude comme ça, bien entendu, il faisait ce qu'il avait à faire d'un point de vue obligatoire, mais parce que c'est la qualité de son cœur, l'amour qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala, amené à aimer ce qu'Allah aime, c'est-à-dire le pardon. Et il ne dormait pas. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner. Entre autres qualités, le fait de pouvoir pardonner. On entend dans nos familles, jamais je ne lui pardonnerai jusqu'au jour du jusqu jugement dernier. Est-ce que toi, tu n'aimerais pas être pardonné? Dans les couples en particulier, c'est lui qui t'a. Il t'a fait tout ce qu'il t'a fait, certes. Mais vois le bon côté. N'oublie pas c'est cette, cette ingratitude qui a, qui a amené Satan en enfer, qui a amené, a amené beaucoup de gens en enfer. Et puis, de toute façon, ce n'est pas parce que tu lui pardonnes qu'Allah va lui pardonner. Ne l'oublie pas. Allah, il est juste. Mais si toi tu lui pardonnes, le professeur Sallam, qu'est-ce qu'il demande Non seulement il pardonnait, mais il demandait à Allah le pardon pour les gens qui l'ont persécuté. C'est ça le cœur du croyant, c'est ça. Si tu meurs avec ça, certainement Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus pardonneur, va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes à personne, il se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse goûter les conséquences de tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous réforme tous. l'a effectivement le temps 20h30, je ne sais pas s'il y, y a des questions. Oui, salam euh, Cher comme Mohamed pour cet échange. Et alaykoum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur les différentes euh, plateformes. Euh, Mohamed, je crois qu'on a oublié de poser la question euh, qu'on avait posée la semaine dernière et qu'on n'avait pas eu de réponse. Parce qu'on on avait promis de la reposer cette semaine-là. Oui. Alors, juste pour... Euh, préciser quelque chose, c'est que quand on pose la question, c'est qu'on attend une réponse en live, en fait, mm. et non pas euh, dans les commentaires, parce que j'avais vu la réponse passer dans les commentaires, et finalement, on attendait. Euh, il faut préciser juste qu'il faut appeler pour avoir la donner la réponse, Inch'Allah. Tout à fait. Kabaraklaoufiq, Joseph Laukhelm, pour le rappel. Effectivement, la, la, la question euh, de la semaine dernière qu'on repose aujourd'hui, c'est euh, quelle est la prière dans, dans laquelle. De laquelle on, on récite deux fois la Fatiha, une fois au début et une fois juste après la première génuflexion. Euh, le fait de se deuxième fois après s'être relevé de la genuflexion du coup deux fois la Fatiha. Euh, quelle est cette, cette prière Voilà la question. Je pense que le livre, je ne l'ai pas apporté, mais un cadeau, Alhamdoulilah, c'est pour ça que les questions, on ne va pas dire qu'elles sont très, très, très difficiles, mais, mais bon. Effectivement, il faut faire un peu de recherche et ça permet aussi d'apprendre de, de, et de connaître des choses. Euh, et effectivement, euh, qu'Allah nous apprenne et nous fasse profiter de, 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 une, de la science bénéfique. Euh, je ne sais pas si, effectivement, bah, on verra s'il y a des sœurs des, des et des frères qui nous appellent pour répondre à la question. Inch'Allah, donc, voilà. il, y a déjà, il y a déjà des appels pour, mmh. euh, pour poser des questions, donc on va les prendre, Alors, Mais j'avais juste une question à, à poser à Chir. Euh, alors, à un moment donné, tu as parlé de de, de laxisme. Euh, je ne sais pas à quel moment exactement, puisque je n'ai pas eu le temps de tout suivre. Euh, mais la personne dit voilà, en parlant de laxisme, est-ce que ce n'est pas justement ce laxisme-là qui fait augmenter le nombre de conversions, des conversions souvent euh, soit pour des mariages, soit par mode. Quelle est la position à avoir par rapport à cela Je ne sais pas si c'est ça qui fait hein, Allah et guide qui veut, fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. C'est le professeur Salam, il dit notamment dans la al Qasas 28, verset 46, si ma mémoire est bonne, c'est Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais je sais, après avoir discuté avec des gens qui sont convertis, il y en a beaucoup, que le laxisme, justement, dans d'autres religions que l'islam, amène certaines personnes à devenir musulmanes. Parce qu'elles disent c'est pas possible qu'on ait que la, la, le passage d'un homme puisse il être le plus pieux, euh, qu'à cause de cela, Allah pardonne tout le monde, et que, quel que soit ce qu'on fait, qu'on n'assume pas, et qu'il n'y ait pas d'hygiène, une, une que l'on revienne à Allah que le, le soir, ou quand on a besoin de quand on a conscience qu'on a besoin de lui, etc. etc. Non, moi, ce que j'aime dans l'islam, me disent certains, c'est qu'il y a une rigueur, il y a une pratique. On prie cinq fois par jour, on... On, on jeûne pendant toute une journée, des jours et des jours, tout un mois. On donne une part du pauvre qui n'est pas seulement comme ça, on donne. Donc, le, ce rigorisme, entre guillemets, cette rigueur, en tout cas, amène certaines personnes à se reconvertir, à revenir vers ce Parce qu'ils savent très bien que l'homme laissé à lui seul, il, il devient plus qu'une bête. Ça, ça ce n'est pas la réponse que la personne attend. Après, le, on peut pas, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Les compagnons du Prophète étaient tous des reconvertis, entre guillemets. Ils étaient des adorateurs d'idoles, de, etc. Mais quand on a vraiment compris l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis la foi, le, la saveur, sur de la foi dans le cœur, on ne revient plus. On devient l'homme, la femme la plus heureuse. Il y a des gens qui sont convertis, qui ont été meilleurs. J'en connais un, qui a épousé une femme, euh, parce qu'ils il se sont connus et, euh, il se, il s'est reconverti. Parce que dans l'islam, le, 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 c'est ce qui est exigé. Et ensuite, il a divorcé avec la femme parce qu'elle n'était pas pratiquante, entre guillemets. Donc, ce pas le laxisme n'est pas du côté forcément des convertis. Mais certains, effectivement, pensent et exigent, malheureusement, des parents qui exigent que leur, que leur, que leur fille euh, n'épouse qu'un musulman. Il faut qu'ils fassent la shahada alors que eux mêmes ni eux, ni leur fille, ne connaissent même... Qui est Mohammed Comme il a attesté, peut-être que s'il suit, il va me demander le droit d'auteur, comme il a attesté un frère. Voilà. Ils exigent que leur fille épouse une, un, un musulman, alors que leur fille ne sait même pas qui est Mohammed ne connaît, ne connaît pas les piliers de l'islam ne connaît pas les articles de foi. Donc, pour moi, s'il y a un laxisme, c'est de la part des musulmans. De la part des musulmans qui euh, explique qu'ils ne connaissent pas l'islam. Donc, comment est-ce que le pauvre peut euh, donner ce qu'il n'a pas et donc, mmh. les gens qui les fréquentent, l'exemple également, effectivement, il y a beaucoup de jeunes que je vois et qui se reconvertissent à l'islam grâce à Allah et qui disent à cause du bon comportement des musulmans. Mais comme leurs copains ou leurs copines ne prient pas, ne jeûnent pas, ils ont compris que l'islam, effectivement, c'est euh, le fait de faire la shahada et puis c'est tout. Et certains, comme ils me disent, je shahade avant de dormir. Voilà. Donc, pour eux, j'ai fait la shahada, donc je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de faire autre chose, alors que l'islam, comme l'a dit si Mohammed tout à l'heure, c'est un comportement. Mais un bon comportement vis-à-vis d'Allah avant toute chose, avant que ce soit un comportement vis-à-vis -vis de l'autre. Et le meilleur avec, bien entendu, les parents, etc. etc. Mais pour moi, c'est le laxisme. Parfois, c'est basé sur la méconnaissance, sur l'ignorance. Comme tout péché, d'ailleurs, comme disent les anciens, tout péché est basé sur l'ignorance. Après, c'est également de mode. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui prétendent ne pas croire, sauf quand ils sont dans la difficulté n'en pas croit et puis bon ben, le monde en cours derrière ce monde-là et puis c'est la fin du monde les gens ne courent que vers ce monde-là ils oublient l'odeur. avant d'enchaîner sur les autres questions je crois qu'on a déjà un appel allô salam Allo. allô salam alikoum allô salam vous m'entendez oui oui tout à fait vous êtes, euh, vous êtes en oui. direct Charles. Ah. Okay. Euh, euh, bah, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour, euh, bah, par rapport à toutes les vidéos que vous postez, que euh, vous mettez sur YouTube. là j'ai beaucoup appris. Euh, donc, moi, c ma question, c'était par rapport à, à au RIBA. Mm -hmm. euh, je voulais savoir au niveau. Euh, le fait d'avoir euh, ben, des amis ben, qui font qui font les bas donc qui ont acheté avec euh, voilà avec intérêt et tout ça euh, si euh, si nous le fait de les féliciter ou euh, ne serait-ce que enfin ben, de les côtoyer euh, quasi quotidiennement n'est ben, pas directement enfin si ça si c'est pas euh, si pas voilà, on est un enfin, peu, quoi. Excusez-moi. Non, enfin, non, si je ne enfin, sais pas si vous êtes bien exprimé ou pas, mais le spécialiste de la finance, c'est si Mohamed, je laisse, je laisse répondre. On la Non, mais, si moyen, ma soeur, le... on doit remercier Allah de ne pas être à sa place. Le professeur Salam nous a dit que le riba à 73 et quelques degrés, et le degré le plus faible, la gravité la moindre, c'est le fait, c'est l'inceste. D'avoir des relations conjugales avec ou intimes avec son père ou avec sa mère. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et Allah déclare la guerre à, à l'usurier. Donc, euh, je, je dois dire, à l'exemple du Qayyim, quand il fasse miséricorde, il faut prier pour les gens qui sont dans ces péchés qui sont extrêmement graves. Donc, il ne faut pas forcément. Euh, couper les ponts avec, hein, si on pense qu'ils ne le savent pas, parce que beaucoup, j'en rencontre, qui disent que je ne savais pas que c'était aussi grave, ou je ne savais pas que c'était grave. Surtout qu'il y a une fatwa qui est connue, et qui est un pour un sur mille, peut-être un avis sur mille, peut-être des savants, les anciens comme les, comme les contemporains, qui l'interdisent. Hein, C'est parce qu'Allah l'interdit. Même si on a euh, une fatwa qui... Euh, qui le permet et qui précise que c'est dans la darura, comme si Mohamed, on en a souvent discuté, qui est dans la darura, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on n'a pas de location, on n'a rien, on dort dehors, on risque sa vie, alors la maison principale peut être que. Toujours est-il que c'est un avis qui est faible parmi les avis des savants, donc ça on le dit très clairement, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Toujours est-il que, donc là, quand quelqu'un fait ça, et alhamdulillah, j'en connais, qui quand ils ont su ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert le cœur, ils ont vendu cette maison. Ils en ont profité, entre guillemets, ils ont même eu peut-être une plus-value et qu'il que leur appartient. J'espère qu'ils sont revenus vers Allah et Et le fait de se débarrasser de l'interdit fait partie des conditions de la riba. Voilà. Pour moi, il faut prier. Voilà. Juste une. Oui. -moi. Juste, je peux rebondir par rapport à ça. Le fait qu'ils la revendent, enfin, voilà, dans le cas où vous avez dit que la personne a revendu, il y a même eu une plus-value. Oui. Donc, l'argent... L'argent qu'ils vont tirer de, de cette vente, ils peuvent en jouir comme ils veulent. C'est ce qu'on ce qu nous a enseigné. C'est-à-dire que ce n'est pas héréditaire. J'entends par là quelqu'un qui arrête, Allah lui permet de profiter de ce qu'il a. Là, ce qu'il a fait, il a, il, a, il a donné plus. Il a participé à, à l'injustice en donnant plus. Donc, mais ce qu'il a investi, c'est son argent à lui. Plus il a accepté de rentrer, c'est pas, il n'est pas banquier. Lui, il, a été, il est l'objet d'une injustice en fait, mais qu'il a non seulement accepté, il pense en plus qu'il a fait une affaire. Donc le fait que l'argent qu'il qu retire de la vente lui appartient et il peut l'utiliser. Ça c'est ça c'est comment enseigner. Ça, c'est dans le cas où il n'était pas, où il ne savait pas que c'était euh, Même, même haram. si, même ouais. si savait que c'était haram, Allah pardonne tous les péchés pour celui qui arrête, qui, ah bah, qui voilà, qui arrête, qui regrette, qui décide de ne plus jamais le refaire et qui repart, autant que faire se peut. Voilà. Donc même si il a, il a, il a, il a, il a glissé, il a plus que tombé, il s'est même fait très mal. Mm -hmm. Mais maintenant, Allah lui a tendu la main, comme il le fait le soir, comme le matin et il est revenu vers Allah repentant pour le, se le prouver à lui-même pas pour les autres, pour le, se le prouver à lui-même je ne dis pas quelqu'un qui vit de riba et qui achète des maisons et ensuite qui les revend et qui veut, la, et qui veut les plus-values, c'est pas celui-là celui-là, il a, il, a, il, a, il a subi ses passions et puis finalement il a une maison et puis il s'est dit mais comment je peux dormir alors que ma tombe peut, peut, pourrait être remplie de feu Allah vient vers lui lui permet de revenir, il regrette et pour se le prouver à lui-même il vend sa ah. maison, cet argent lui appartient. D'accord, d'accord. D'accord. J'avais juste une autre petite question euh, par rapport à, à la hijra. Quand on ne sait pas dans quel pays, enfin, du moins, on évite entre deux pays, est-ce que la prière de la consultation, dans ce cas-là, est... on peut la faire la hijra est, une, est un vaste sujet. On en a déjà discuté plusieurs fois et on l'a certainement pas épuisé. Dans une affaire, quelle qu'elle soit, dans une affaire qui est permise et dans ce cas c'est plus que permis, celui qu'on en on enquête, on va voir sur place. Moi c'est ce que je conseille. On voit comment on y vit. Est-ce que parce que beaucoup sont partis sont revenus. Donc est-ce que vraiment ça correspond au mode de vie que je m'attendais Est-ce que je suis capable moi et ma famille, enfin ma famille et moi, sont capables de supporter ceci on y vit et ensuite on fait ce choix-là. Quand on a décidé donc d'un pays ou d'une ville ou autre chose, oui. voilà, à ce moment-là, on, on fait de raka et on essaie, on en entreprend la chose. Si elle est facilitée, c'est Allah qui la facilite. Si elle n'est pas facilitée, au moins on sait que c'est le résultat de, de l'istikhara. L'istikhara, de toute façon, c'est comme, comme le disait Jaber Kalalagri ainsi que son père, il disait que le professeur nous enseignait le salatistikhara, le doha, le salat comme il nous enseignait le Coran. Donc l'istikhara, ce n'est pas seulement pour les pour se marier pour, le, pour aller pour aller droit au but ce n'est pas seulement pour se marier comme certains jeunes ne font l'istikhara que pour ça c'est pour toute affaire importante pour toute affaire importante et la hijra est importante et même pour le hajj on doit faire l'istikhara pour celui qui veut bien entendu pas pour savoir si je dois faire le hajj ou pas mais si je dois le faire cette année si je dois le faire avec tel groupe si je dois le faire avec tel ceci c'est ça on doit faire l'istikhara même pour voyager on doit faire l'istikhara même pas pour le hajj seulement donc c'est tout à affaire importante et il faut l'étudier il faut demander conseil, il faut, il faut y réfléchir avant de prendre une décision, pas seulement, écoute, j'ai fait le j'ai rêvé que j'étais à Marrakech, donc j'y vais. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas sérieux. Ah oui. voilà. Donc il faut vraiment étudier vrai la vrai chose. C'est compliqué de se déplacer enfin, en famille dans un pays pour pouvoir tester. C'est compliqué en ah. famille. Mais qu'est-ce qu'il sait C'est Allah qui facilite toutes choses, disait le prophète. C'est oh. difficile, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah nous facilite le bien. Amen. Salam Je crois qu'on a d'autres appels, euh, Karim. Allô salam Wa salam. Moi j'ai une question, il faudrait savoir parce que j'avais fait une faute et j'ai fait des deux marakana de, de... Euh, pour, par, être pardonné, mais à chaque fois que je pense à cette, euh, erreur que j'ai fait de ma vie, euh, j'arrive pas à retenir mes larmes. Et je me pose des questions parce que, est-ce que tout ce que j'ai fait du bien, est-ce que euh, ce serait accepté? Qu'est-ce que, euh, je me pose toutes le par les questions, euh, tout ce que je fais, tout ce que, est-ce que c'est pardonné, ce serait pardonné? Euh, je n'arrive pas vraiment à pouvoir euh, me ressaisir à, à chaque fois que j'y pense à ce que j'ai fait. Euh, si vous pouvez m'aider, me rassurer. Qu'Allah ou... pe... vous pardonne et qu'il nous pardonne. C'est bon signe pour vous. C'est bon signe pour vous de que les larmes coulent. Euh, C'est bon signe pour vous. Le Prophète a dit qu'Allah interdit au feu de brûler deux traces, des traces qui ont, qui ont pleuré, de, de larmes qui ont pleuré par crainte d'Allah, et des traces qui ont été versées de sang dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire que, Ibn Qayyim, disait également, car il fasse miséricorde, euh, il y a des péchés qui amènent, qui peut amener l'auteur, repentant bien sûr, ou repenti, au paradis. Il y a des bonnes actions qui peuvent amener la personne en enfer. On dit comment? Et parce que le péché, chaque fois qu'on y pense, on regrette tellement qu'Allah nous fait miséricorde pour nous faire entrer au paradis. Alors que l'autre, qui est impatueux de ça, de, de ça, qui est orgueilleux, ou qui dit, mais moi de toute façon, j'ai construit une mosquée, donc je, je mérite le paradis. Parce qu'il il oublie que tout bien vient d'Allah et qu'il n'est capable de rien, La il en est fier et même il fait de l'ostentation avec ça, à cause de ça, il peut aller en enfer. Comme celui qui a pris le Coran par cœur pour ça, celui qui a donné matin, midi et soir pour la cause d'Allah en théorie, en pratique, il le faisait pour l'ostentation. Donc, il y a des bonnes actions qui peuvent amener la personne en enfer. Je ne dis pas qu'il faille faire des péchés pour cela, mais si on est vraiment repenti, on ne doit pas être fier de ce qu'on a fait. On ne doit pas le raconter non plus aux gens. On a des gens d'un certain âge, ah tu ne sais pas moi quand j'étais jeune, ah tu ne sais pas les péchés que moi j'ai fait, et ils se mettent à les raconter. Ça ce n'est pas du tout bon signe. Donc si vous avez fait une erreur, et on en fait tous, qu'Allah nous pardonne, et quand on y pense on ne doit pas être fier. On ne doit pas du tout en être fier, on demande à Allah le pardon et Allah seul sait s'il nous a pardonné ou pas mais comme disent les savants le signe que Allah nous a pardonné c'est qu'on regrette et qu'on prend le droit chemin également pas seulement non vraiment je regrette Allah sait que je suis sincère mais toi tu es toujours au même point tu ne reviens pas vers Allah tu ne jeûnes pas tu ne pries pas tu ne fais pas ce qu'Allah aime ce n'est pas bon signe du tout et c'est pas signe surtout que Allah t'est pardonné je ne parle pas de vous bien sûr je parle de tout un chacun à moi-même en particulier je comprends je comprends Amen. Amen. <coughs>

Euh, avant de prendre une euh, d'autres question, je pense qu'il y a encore d'autres appels. Euh, juste une petite précision, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, notamment suite à la question qui était été posée sur le sur Riba. Euh, on vous renvoie sur notre chaîne YouTube, on a déjà traité ce sujet, je crois, il y a quelques mois, ou l'année dernière, je ne sais plus, euh, où on a traité, on a fait plusieurs, euh, plusieurs vidéos là-dessus, je crois qu'il y en a cinq ou six. Donc on vous invite à aller sur la page YouTube de la mosquée, où vous aurez... Euh, euh, la, toute la série qui, sur laquelle on a traité ce sujet, Inch'Allah. Karim, on prend un autre appel, Inch'Allah alaikum. Alaikum. J'espère que vous allez bien. Euh, euh, je vous appelle pour deux petites choses, euh, sans prendre trop de votre temps. Euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que vous pouvez donner pour euh, conseil pour une personne qui a beaucoup de ruminations, euh, beaucoup de questions en tête, beaucoup de... qui se laisse vraiment hanter par les pensées. Comment essayer de les refouler Enfin, pas les refouler, mais facile, enfin, si, les refouler tout simplement. Euh... En gros, pour le west, -West quoi. Le West-Ouest, c'est connu. Hein. C'est une preuve, disent les savants, qu'on a la foi, mais en même temps, c'est une entrée facile euh, par Satan pour nous ennuyer. Donc, la meilleure façon que j'ai entendu des savants à l'unanimité, c'est de les ignorer si on peut. Si on peut pas les ignorer, de chaque fois que ça vient, de les contredire. Les contredire. Dans la prière, par exemple, trois ou quatre à Mais la, la, la c'est de dire, c'est basé sur le minimum. Mais dans le cas de la personne qui est éprouvée par le waswa, c'est de dire quatre. Voilà. Est-ce que j'ai lavé les mains deux fois ou trois fois Je les ai lavé Et de contredire ce que les suggestions que nous apporte Satan. Et une des meilleures façons, c'est se rappeler souvent à Allah. En faisant beaucoup de dhikr, Shaitan n'aime pas le dhikr. Quand on se rappelle à Allah, oui. il s'envoie, il s'enfuit. Il, il, il Donc le mieux, c'est oui. vraiment, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous rapprocher d'Allah avec ce waswas. -was. Il faut positiver l'épreuve. C'est-à-dire que si on a beaucoup de waswas, -was, comme je dis à cette sœur, qu'elle lui facilite, qui me disait qu'elle prenait une heure et demie, si elle m'écoute du Canada. Qu'Allah lui facilite, elle prie qu'elle prend une heure et demie oui. et commence à paniquer avant de prier. J'ai dit, ma soeur, peut-être qu'Allah te donne une adoration pendant une heure et demie, toutes les questions que tu te poses avant le, de faire la prière, qui te rongent certainement, si Allah te le comptait comme adoration. Ce qui n'est pas mon cas. Nous, cinq minutes encore, on a fait les ablutions, on les a donc on les garde, on, fait, on dit on prie, oui. et on va faire autre chose. Mais si toi, Allah t'a éprouvé par ça que pendant une heure et demie tu penses, pendant une heure et demie tu combats ton shaitan, c'est de l'adoration. Donc demain, Shah Allah, tu seras satisfaite. Donc il faut prier Alors, Allah, bien compte, sûr. Bien sûr. Après c'est pas tant par rapport à, à l'adoration d'Allah, mais c'est sur des choses personnelles surtout. Que après dans l'eau tout ça ça va, mais c'est des choses plus on va dire personnelles qui, bah, qui me voilà, qui, qui, qui sur lesquelles j'ai des ruminations. Quoi. Non, mais il faut penser... Il faut mais pense... le principe reste le même. Il faut absolument, il faut, pense, il faut penser surtout que ce sont des choses qui sont éphémères, que l'au-delà est bien ouais. meilleur. Pensez souvent à la mort, pensez souvent à ce que vous allez raconter, plutôt que de philosopher ou de laisser Shaitan prendre beaucoup de place. Faites beaucoup de dic, Inshallah, Allah va chasser. Allah. Donc, c voilà, c'est mauvaise idée, Inch'Allah. Inch'Allah. et oui. je voulais aussi répondre à la question, et ah. du coup, oui. par rapport euh, à la prière. Euh, euh, sur laquelle il faut réciter la Fatiha en retour de. de je ne sais plus le terme qu'il avait dit. Euh, oui. euh, et pour moi, c'est euh, la prière de l'éclipse solaire. Mmh. Tout à fait. Exactement. Voilà. C'est euh, exactement, effectivement, le khoussouf ou le l'éclipse euh, solaire et, et lunaire. En tout cas, wa C'est la bonne réponse. Ah, al Alhamdulillah. C'est la seule prière. c'est La seule prière où on revient de recours et on récite à nouveau. Mohammed, ces questions sont dures, donc ça prend deux semaines pour les trouver. Alhamdulillah. Barakallahu Alhamdulillah. Donc vous restez, vous restez ou vous laissez? Il va, il va vous rappeler effectivement le frère Charles Latial. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Plein de bonnes choses, Fidouni, Aflakh. Amen. Et les meilleures récompenses à vous et à vos proches. Le meilleur à tous, Inch'Allah. Inch'Allah, je pense que le, le temps est euh, déjà 21h01. Ouais. Euh, Inch'Allah, juste, juste une question, Mohamed, hein. peut-être pour, pour toi. Euh, C'est une question qui revient d'ailleurs souvent dans, dans tous les lives. Euh, Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut conseiller, euh, justement pour rester sur le, le, le sujet des soirs, euh, le juste milieu euh, je ne sais pas qu ce que vous pouvez en dire, est-ce qu'on peut euh, peut-être faire une liste ou pas que... de, Des chemins, enfin de, du droit chemin comme il a, il a dit, des livres conseillés, disons on est parfois des consommateurs. Moi je dirais simplement que le droit chemin c'est ce que décrit l'islam. En général il y a effectivement des, des livres, on peut en faire une liste, mais je ne pense pas que ce soit les livres qui manquent ni les connaissances qui manquent, les règles on les a posées. Il y a des y a principes qui sont simplement les principes de l'islam. Après, des livres, ce n'est pas ce qui manque, effectivement. On peut en mmh. conseiller certains, mais moi, je conseillerais surtout de faire sa prière, de, de, de connaître sa religion, de l'apprendre. Et donc, ça, ce n'est pas. Il n'y a pas que les livres pour cela, de la pratiquer et de demander surtout l'aide d'Allah pour y arriver. Mais c'est des lectures on peut on peut en conseiller ouais. Juste, justement de ce que je comprends de certaines questions c'est qu'il y a beaucoup de livres et les gens ne savent pas forcément euh, quels sont les livres les plus fiables, quelles sont les éditions les plus fiables en fait Charles on peut on peut y réfléchir et euh, mettre à disposition quelques quelques lectures Charles, Charles. 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 On a dépassé les une heure et demie de, de live.